Bonsoir tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire comme un genre de get ready with me pour ma pratique de cheer. Donc, si vous le savez pas, je fais du cheer et je suis au niveau 4.2 au Flyers. Et dans le fond, c'est ça, les samedis, j'ai tout le temps une pratique, donc je vais me préparer. En ce moment, je suis un peu lazy, so faut comme que... Je wake up un peu. Mais dans le fond, faut juste que je m'habille, je prépare mon sac de cheer, puis peut-être que je me... Faudrait peut-être que je change un peu ma face, genre je vais peut-être mettre un peu de mascara, puis genre de concealer, juste pour fix my face. Donc, je vais prendre mes habits cheer. Je pense que je vais mettre ce top-là, une brassette de sport comme ça, avec... des écussards comme ça, normal, écrit Flyers dessus, avec, je pense, mon chandail blanc, Flyers encore, donc, yes. Et je vais me prendre aussi une paire de bas, écrit Flyers dessus, mais là, ça se voit pas, là, mais en tout cas. So, yeah. Voilà, j'ai ma brassière de sport en dessous, mon chandail et mes écussards. Mon miroir, je l'ai brisé, je sais pas trop comment, mais il est juste comme tombé par terre ici. Puis ouais, c'est ça, là, il est genre tout pété, so je vais devoir en racheter un autre. Donc, je vais juste prendre mon linge sale, puis le mettre dans mon panier de linge sale. Puis je vais mettre cette veste-là. So. Cette veste-là par-dessus pour y aller. So, pour le cheer, je me fais une couette haute. Parce que là, je n'ai pas de pain. Je vais juste me faire une couette haute. Et je vais mettre un peu de make-up parce que je ressemble à une personne morte en ce moment. Ok, donc je vais mettre un peu de BB cream avec mon mascara. Je vais faire mon make-up sur mon miroir brisé. Si vous cherchez un mascara genre qui marche full bien, moi je vous recommanderais le Better Than Sex de Too Faced parce que je trouve qu'il marche juste vraiment bien. Ok, so parce que je vis au Québec et qu'il fait vraiment froid, je suis obligée de mettre un bas, mais comme en été j'en mets pas. Genre, je vais juste comme en cuissard au cheer, sauf que là, je me mets genre des sweatpants parce que sinon, je gèle. Comme ça. Et je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a dedans pis tout, genre qu'est-ce que j'amène. Why is it moving? Ok. Je vais vous montrer un peu genre qu'est-ce que j'apporte au cheer pis comme qu'est-ce que j'ai dedans. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon sac de cheer. C'est le... Infinity, le grand noir brillant avec le logo blanc. Dans le fond dessus, j'ai une boucle comme ça, vraiment cute, avec une autre boucle que j'ai acheté à une compétition, un petit bracelet écrit cheer dessus, et attends, j'en avais un autre. Ah oui, c'est celui. Et dans le fond, il y a juste écrit cheer les deux dessus. J'ai aussi sur le côté des bracelets flyers et ben je vais tout le temps mettre comme ma bouteille d'eau sur le côté de mon sac. Dans la première poche, j'ai des Advil dans un petit pot puis genre des middle. J'ai du tape de cheer, j'ai un genre de ping. J'ai un lip seal puis j'ai une coupe de genre Jelly Ranger, je sais pas pourquoi. I guess si j'ai le goût de manger un Jelly Ranger. Et j'ai un miroir aussi. Et j'ai aussi un parfum. Puis
Ça, c'est comme des petites lingettes. Par exemple, t'as vraiment chaud, puis comme tu, ben genre t'en prends une, puis comme. C'est un peu gross, mais comme. Je sais pas, pour nettoyer l'usage. So, ça, c'est dans ma première poche. Dans ma deuxième poche, ici. Un déodorant. Ça, c'est genre un essential dans ton sac. Et j'ai aussi mon tape, comme exemple que tu t'es blessé pis tout. Genre, c'est quand même vraiment important avoir un tape. Puis ça, je sais pas trop pourquoi j'ai mis ça là, mais j'ai comme plein de genre rouge à lèvres, je sais pas trop, que j'ai genre commandé sur Wish. Puis je sais pas, je les ai juste mis là-dedans. Finalement, dans la deuxième poche, j'ai un chandail en extra, je sais pas, j'en traîne toujours un au cas où. J'ai aussi mes souliers de cheer. Et dans le fond, ça c'est juste pour ma pratique. C'est sûr que pour exemple une compétition, je vais traîner vraiment plus de choses. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo pour Get Ready With Me for a Cheer Competition. Et donc, ça c'est ça. Donc ça c'est mon sac de cheer. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et vous pouvez toujours laisser un pouce. Donc, ma routine pour aller à ma pratique est vraiment facile. Je vais juste me préparer, puis préparer aussi mon sac de cheer. Donc, c'est pas mal ça. Et voilà. Bye. Tell me that you hear me. Tell me.